Coucou tout le monde, c'est re-moi. Je suis revenue. Merci pour les likes. Bah, il n'y a pas eu trop de likes en fait. Mais si, arrête, j'ai vu. Non, il n'y a pas eu trop de likes. Non, merci. non, c'est pour moi les likes, c'était bah, fait oui. En fait. Et merci pour, pour elle. Merci pour elle, ce que je voulais dire. Fayotte. Bon, revenons à nos moutons frisés. Donc voilà, enfin la vidéo. Bon. On a pris le temps. Ananou est revenu de Lille. On est obligé de dire que tu es nordiste. Oui, ça se voit à ta tête. Donc Anan ou Anna pour les intimes, ouais, est revenue de Lille pour montrer ses cheveux. Donc si ça te dérange pas, tu peux les mettre devant hein, tes cheveux. Non, devant, je voulais dire là, ici. Ah pardon. Elle, dès qu'elle peut se mettre devant la caméra. Bon, je voulais juste interviewer. Comme si c'était un truc très sérieux. Non, mais c'était juste pour que vous, si vous avez envie de vous lancer dans le lissage au tanin, si vous avez envie de vous lisser les cheveux avec le lissage au tanin, comme ça vous savez si vous allez le faire ou pas, selon les résultats que vous attendez. Donc Anna, oui, ton brushing, facile. Mieux qu'avant ou pas? Ah ouais. Non mais vraiment, fais pas la paillette devant non, la caméra. Non, franchement c'est vraiment moi qui a horreur de faire mes cheveux, tu le sais très bien. Ouais, ça c'est sûr, il n'y a que moi pour derrière. Ouais, bon, je voulais super rapide. Une petite aparté. Ouais, je t'en prie. Une petite aparté ou un petit aparté? Je sais pas. S'en fout, je suis naine. Une petite aparté. Elle a les cheveux très 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 frisés. Elle fait toujours friser ses cheveux. Donc son lissage, le lissage brushing, etc. Il est très difficile. C'est pas comme une personne qui lisse souvent ses cheveux. C'est tout ce que je voulais dire dans ce petit aparté. Alors Anouna, brushing, comment ça se passe? Bah, super simple, moi voilà, hop, et c'est bon quoi, je brosse. Hop, je brosse, c'est pas Pouloulou par hasard? Non. Bref. Je brosse et bah je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah, est-ce que c'est plus facile qu'avant? Bah, oui, largement. Et la différence, parce qu'avant tu faisais le lissage brésilien, ouais. Et le botox. Ouais. Bah, il y a beaucoup plus de volume en fait. Avec le lissage brésilien, les cheveux ils étaient un petit peu. Comment dire, je vois ce que tu veux dire. En fait, ouais. Le lissage brésilien, et c'est vrai, moi qui en fais souvent, il a tendance à faire un peu les cheveux raplapla. Un peu plaqué, un peu. Parce qu'on lisse beaucoup, ça fait raplapla. Souvent, ça, beaucoup de personnes qui disent qu'on a les cheveux plus gras qu'avant, un peu plus lourds. Et donc, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, t'as ouais. Plus de volume en fait. Mm-hmm. C'est plus. C'est bon. Plus léger. Moi, je suis très contente en tout cas. Moi aussi. Bon, bah, approche-toi du petit truc. Bon, oui, on va leur montrer un petit peu tes racines. On s'en fout de ta tête. C'est les cheveux qu'on va voir. Ok. Ah, c'est beau. Tu revis ou pas? Bah oui, je revis. Je ressuscite. Tu ressuscites parce que c'était mort, c'est vrai que c'était mort. Bon, voilà, c'était une petite vidéo très très courte pour vous montrer finalement le résultat avec brushing. Et on se retrouvera peut-être pour une autre vidéo avec ses cheveux bouclés pour vous montrer comment c'est. Parce que moi, comme je te l'ai dit, lisser les cheveux, c'est pas trop mon truc quoi. Brushing, etc. parce que je suis une athlète. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Oui, t'es une athlète et donc? Et donc, bah, je fais beaucoup de sport et donc je transpire énormément. Donc, tu veux garder tes boucles? Bah, c'est pas ça, c'est que lisser mes cheveux pour les mouiller après, je vois pas l'intérêt quoi. Ok. Bon, objectif atteint ou pas? Oh oui. Voilà. Bon. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'on fera une nouvelle vidéo pour vous montrer ses cheveux en mode bouclé pour voir s'ils étaient plus belles qu'avant. C'est pas sûr parce que de toute façon, vous savez ce que c'est que des cheveux bouclés. Anna, est-ce que tes boucles sont plus belles qu'avant? Ah ouais, bah plus légères. Comme le même résultat que Lise, sauf qu'elles sont bouclées.
Donc en brillante, pas sèche, brillante, sèche, légère, bien dessinée. C'est tout ce qu'on veut. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous montrer. Et je vous souhaite d'avoir des beaux cheveux, d'avoir une bonne santé surtout, et de prendre soin de vous et de vos cheveux. À bientôt. Et n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Nano? Non, Alice. Ah? Bah bonne journée, bonne vie. J'ai pas Alice. Alice, bah les likes. Ah oui, les likes. Et les pouces bleus. Et je m'abonne. Et vous vous abonnez pour les prochaines vidéos.